grand, grand, grand salutation à tous ceux qui suivent cette émission en ce moment. Avec votre humble serviteur Antonio Kaouka, le diamant de la presse congolaise, Mobala Zangambanda, Ozoye Wapi. Awande Bomoni, Tozana Willery, Libosoya Night Club, Lingwasuma. Toye Awana, conférence de presse, il y a artiste et musicien Brigade Sarbati, Oazo Bimisa album Nae, le 31. Lelo, le 23, Asali, conférence de presse pour na. Copé ça déjà ba programme pour na Marmotali album naye et donc au programme déjà il y a la conférence de presse après conférence de presse ça la playback il y a quelques chansons naye pour en faire déjà découvrir moi bilingue en avant là bas oyo ba yena ba oyo ba pour nous appeler image donc ba journaliste non sur bazar télévision net radio tout bazali awa yango bomoni biso RD Congo tout ça sera toujours ma casse une exclusivité ngai gradi muya toye awa pour nous savoir nos images oyo ya Brigade Sarbati à cette conférence de presse naye et puis na playback ya ba chanson naye ya quelques chansons naye sans plus tarder gradi muya to cascade kané to salara to kota na kati to zona nous conférence de presse ba question oyo ba journaliste nyonso oyo ba tuni Brigade Sarbati sans oublier que honorable Serge Kaime Mutu azali producteur ya album ya Brigade Sarbati donc sec production. Il y a Serge Kayembe. Donc Serge Kayembe pas Zali, Brigade Sarbati. Toko tana kati, toyo kana no comment est-ce que Brigade Sarbati na Serge Kayembe va répondre na ba question ya ba journaliste nyonso. Toleka. Il est lui aussi on va l'applaudir. Il va pouvoir regarder ici. Voilà, pour commencer, ça signifie papy Bob. Pour commencer, il s'agit de Sec Production. Ainsi dit, nous allons vous mettre un peu de l'eau dans la bouche avec le bébé de la maison Sec Production. Nous savons tous que Sec Production a démarré avec l'artiste musicien JDT, Moulopoué. Le deuxième, c'est Brigade Sarbati, et bien là je vous apprends que cette production vient de mettre la main sur un talent, une voix féminine que nous allons découvrir nous tous ensemble. Nous allons débuter ce show de presse avec ces quelques minutes de ce spectacle. On l'appelle, elle s'appelle Rebecca R10. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Rebecca R10. C'est la toute dernière, la Rebecca.
est-ce que vous savez si réellement vous signez contrat? Et puis sur le contrat, il y a un mot signé qui? Et ça, il y a pour combien de temps? Il a signé contrat, il y a 5 ans. Hein? Non, oui, madame. T'es bandé là, c'est bandé là. Il a signé contrat, il a 5 productions, il y a 5 ans. Voilà, bah, journaliste, il y a surtout il y a beaucoup de bambou et yo. Au cours de la bambou, moi, il y a beaucoup avant de te libérer. Je suis très heureuse de vous aller vous sur le Taïe, Taïe Sika, Nazawana, Bobado, Yamanga, Kalamiti, Nazawana, Nolanda, Kalamiti, Nazawana. Déjà la fin du mois. Voilà, on applaudit encore. Merci beaucoup. Elle s'appelle Rebecca. Elle dit s'il était question, merci. Merci Rebecca, tu peux regagner ta place. Voilà. Voilà, il était question de vous présenter cette jeune tante. Quel critère et dans le cadre promotionnel, qu'est-ce que vous avez déjà prévu? Je voudrais d'abord saluer tous les collègues, tous les confrères de la presse, parce que j'en reste encore un, sauf que à moins qu'il me chasse la confrère. Merci à tous mes amis de la presse. J'ai tenu à ce que vous soyez très nombreux aujourd'hui. Tous, je ne peux pas vous citer, vous êtes tous dans mon cœur. Je vous remercie de la présence. Avant de répondre à ta question, l'importance de cette rencontre était d'abord de vous faire à notre niveau le bilan du travail, cette production sur les engagements que nous avons pris devant la presse à la signature du contrat de l'artiste Regad Sarbati. Si ce soir nous vous avons présenté Rebecca Erdis, c'est parce que c'est dans notre culture de sceller toujours le mariage entre notre structure de production avec les artistes, ensemble avec la presse. Ce qui vous permet à vous de nous juger, de nous suivre dans la durée, de nous accompagner dans la critique positive. Voilà tout ce que je peux dire d'abord concernant Rebecca. Rebecca a signé un contrat de 5 ans pour tout simplement parce qu'elle n'est pas encore connue. Nous avons besoin de beaucoup de temps pour l'imposer sur le plan national, beaucoup de temps pour l'imposer sur le plan africain international et enfin pouvoir lui permettre, ensemble avec nos structures, de pouvoir rentabiliser ce qui sera le travail que nous faisons. Les gens parfois pensent, quand ils disent 3 ans, 5 ans, ils pensent que c'est beaucoup, c'est très peu. Je vous donne l'exemple, nous avons fait la signature avec JDT Molokwe. Rien que pour une chanson et remettre JDT Molokwe en valeur sur le marché, ça nous a pris 11 mois. Pour que vous compreniez, enregistrer, imposer l'artiste, imposer le son, convaincre le public par les médias, ce n'est pas facile. Donc ce soir, nous sommes très heureux parce que nous allons célébrer avec vous un très heureux événement. Et je laisse à notre Master of Ceremony la parole.
Merci, honorable. Alors, puisque nous étions venus pour l'artiste Brigade Sarbati, cette fois-ci, nous allons faire appel à l'artiste. Et j'ose croire que unanimement, nous allons aussi l'encourager avec nos applaudissements et ovations. Je vous présente et j'appelle l'artiste géniteur de l'album Tout va bien d'ici quelques jours. Il s'appelle Brigade Sarbati, bourré de talent. Voici l'artiste Brigade Sarbati. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs de la presse. L'artiste est en place. Nous allons nous répéter qu'il s'agit derrière lui, plutôt de l'agir, derrière l'artiste Brigade, il y a la maison Sec Production. Nous allons souffrir un peu que nous puissions revenir encore à l'honorable Serge Kalembe pour qu'il puisse nous introduire, puisqu'il s'agit de Sec Production. Aujourd'hui, on nous présente Brigade et très bientôt cet album-là. Le mot de circonstance revient au manager général de cette production. Je vous remercie tous. On vous souviendra que nous vous avons invité lors de la célébration de la signature de contrat qui liait notre société de production et d'événements avec l'artiste Brigade Sarbati. La cérémonie a eu lieu il y a exactement 7 mois. Exactement 7 mois à son siège de répétition, son ancien siège de répétition. C'était à Mama Africa. Nous avons invité la presse pour assister à la signature à travers laquelle notre patron de cette production et l'artiste avaient signé des documents qui nous ont liés pour ce mariage de 3 ans. Pour 3 ans de travail, il fallait se mettre au boulot avec Brigade. D'abord, discuter sérieusement pour qu'il comprenne ce que nous voulons de lui. Et nous aussi, discuter sérieusement pour qu'on comprenne qu'est-ce que lui veut. Et ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail à l'interne pour pouvoir obtenir un résultat. Alors, de ce mariage est né un bébé. Le bébé, c'est celui que je viens de ramener de l'Europe. C'est le tout premier album de carrière de notre artiste et nous sommes très fiers de lui parce qu'il a fait un travail énormément de grande qualité. Cet album a été entièrement enregistré à Kinshasa, sauf que les mixages, nous sommes allés les faire à Paris et les masterings aussi, nous les avons faits à Paris et les duplications ont été faites à Berlin en Allemagne. Au moment où je vous parle, nous sommes ici à Kinshasa avec 15 000 exemplaires de l'album qui sont déjà ici à Kinshasa. Nous avons tenu à vous donner cette information officiellement et à vous présenter le CD officiel de l'album de notre artiste. Et je voudrais d'ailleurs lui remettre une copie, bien qu'il a déjà une copie en privé, maintenant il a sa copie officielle. Donc, c'est pour dire que nous avons pris des engagements, nous tenons à les honorer et nous avons besoin de vous, amis de presse, de nous aider à l'aider lui à réussir sa carrière car il a du talent. Nous essayons nous de mettre ce que nous pouvons en moyens financiers, en stratégie et en méthode de communication. Le reste c'est vous tous, c'est lui, c'est nous, c'est Dieu pour que tout ce travail se passe. Je vous remercie. Voilà. Ainsi dit, nous allons cette fois-ci donner la parole à l'artiste Brigade Sarbati qui nous reçoit. Laissez le temps à l'artiste de dire merci à la presse. Un tout petit mot à l'artiste Brigade Sarbati. Oui, merci. Et à Liboso, d'abord, je vous remercie Zambé. Ceux qui t'ont écouté, ils ont dit que grâce pour Zambé à l'image. Et Yami Balé, nous aussi, vraiment merci. Je vous remercie de l'invitation et pour vous répondre,
Il y a une considération, les amis, nous sommes artistes et nous considérons Rabino. Et ça, c'est un plaisir. Et dans vos 5 ans, les solos pour vous, la première album, il y a les bossos. Et les canakines, nous avons un abysso pour intégrer au Cameroun abysso. Et il y a ceux qui ont un bon abysso, mais ça n'a pas un abysso qui m'a monté, mais vous avez un bossos, un abysso qui m'a monté. Merci. Voilà. Merci, enfin. Merci, beauté. Voilà, alors très chers confrères, nous allons maintenant passer à l'étape essentielle, si pas primordiale, nous sommes venus pour échanger avec l'artiste ainsi que SEC Productions. Encore une fois de plus, nous allons revenir et marteler sur le fait que c'est un show de presse. Nous allons tenter ensemble de rester vraiment dans l'esprit professionnel d'un show de presse, digne de son nom. Nous allons poser des questions qui vont cadrer rien que sur l'album. Tout va bien sur l'artiste Brigade Sarbati. Et le manager général, il y a SEC Productions. La tournière. Na Brigade. Na JDT. Contrat, il faut se dire. Bon, Bongo, oui, signé qui n'est contre les bossoirs. Obimicité, obimici brigade. Obsidici pété, obakissio abine l'ibisoir. Denga la tuni, deko serge. Est-ce que osana konzi maete ou koko kako sepedi sabana, nyonso basali koya vers you? On tourne en roi. Merci. Alors, là, c'est pas la question à maman. Merci. Première chose, vous voyez bien que dans mon cannabis, tout ça, la carence est ma producteur. L'artiste est bien, vous avez travaillé dans mon mot, vous avez la difficulté dans mon bazar. Alors que bazar a la carence. L'artiste, vous avez un mot, vous avez un peu de bon. Mais vous avez bloqué quelque part parce que l'expertise est là. L'expertise est là. Bisso, cette production, tout à l'heure, je suis en connaissance. Mais autour de ma casse pour la musique, la base des athées, le sens de l'organisation. Pour mon expérience, c'est un festival, une manifestation, tout ça, il y a des artistes nationaux qui sont étrangers. Alors, la vision de Bisso, on s'est dit avoir Brigade et Zaponani. Brigade, hasard, génération de la musique. Les années importantes, ok, ça ait chance. Parce que j'ai pris au moins 3 mois, il y a discussion avant de signer. Et tant que tu n'as pas de contrat, il n'y a pas de contrat, tu signes, c'est-à-dire tu s'engages. Brigade, tant que tu joues, hasard qui déjà s'y a pendu, il y a alcool. Tant que à présenter ce produit, tout ça n'a pas été validé, n'a pas été validé. En tant que maison de disques. Par retouche, et ça l'aimé, n'a pas été au niveau international, parce que ceci n'a pas été imposé, pour imposer ce au Congo n'a pas été en Afrique, n'a pas été en Afrique, on confondra parfois. Donc, si ce qu'on a succès dans le Congo, à tout qu'il y a un Tchad, on a un succès. Il faut que ça l'appelle ça dans le Tchad. Il faut que ça l'appelle ça dans le Burkina Faso. Faut nous saler ça de ma peine à Côte d'Ivoire. Tant que Congo n'a eu rien banni, à ta artiste y a un mot de musique, mais on est dans la haut. Ils allaient promotion. Ceux qui promotionnent l'international des salaires, à on a Congo va valider, artiste a la possibilité de venir à sa musique. Ça nous a pris ce temps de travail. Il y a mon alibi. Il y a signature, il y a document où est lié Gilles de Téna cette production. Et ça l'est mis après contrat. Peut-être que Boye va ramoter. Vous allez prêt à vous un document administratif pour la date. J'ai des tables sur tous les jours. Tout seul, il y a un avion, tout discuté, mais il y a un camion. Il n'y a pas de camion. Dans votre yokani, j'ai voulu le mettre en essai. En essai, c'est-à-dire, ton mekina nous zembo moko, pendant que tu travailles, ton enregistré, nous zembo loko, la maman l'est qui s'y continue de vous. Ils allaient battre notre chargeur stratégique. Ils allaient à Paris, à la région et à la Belgique. La siège, quelques chansons. Mais quelques chansons, il faut abandonner. De la même façon que ça, Brigade. De la même façon, l'artiste n'est pas encore le banon. Brigade, il y a un peu de temps, 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 il y a
Tu comprends? Il y a tout ça qui joue sur le plan comportemental. Pour travailler ensemble, les a facilité. Alors, Nzembo Lokola, maman Lévi, ils allaient Nzembo enregistrer dans la Kinshasa. Mais surtout, ils allaient dans bien. Mais couleur, il y a son, surtout pour la JDT, ils allaient couleur aussi. Parce que nous, on tient compte de l'âge de JDT, du public de JDT, de là où nous voulons l'amener. Ça veut dire, Azo Kende, la public plus adulte, public plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, le public qui danse brigade, il peut danser JDT. Tu comprends? Mais il y a comme un âge moroboyé, public moroboyé, au côté à côté JDT, au tir à côté brigade. C'est une affaire de génération. Alors, puisque tu n'es qu'à anticiper sur le plan génération, musique et JDT est la plus anticipative. Alors, ça demandait tout le temps, à Ndimi, tu aurais fait ma musique. Ma texte, Seigneur, tu sais, aïe. Et on a recommencé avec beaucoup de requins à Paris. Donc, comme il y a Paris, donc Bandina va Mbetenge, Doa Congo, Olivier Chimanga, tout travailler là-bas, Serge Kabangu, Azaraka, ingénieur, bassiste dans la Banaoke, comme on a Paris, tout eu Lodi Mataba, Bautana à El Paris, tout retravailler Banzemo, la JDT à Paris. Tout si parti à Paris, tout songi naé au sala parti à Kinshasa. Mais parti à Kinshasa, ils ont à la fois promotion pour Azonga na marché, ça qui 6 ans en dame, à ça qui la produité. Parce que les gens nous jugent aujourd'hui comme si 7 ans et JDT à Bissot. Non, Bissot a signé pour JDT en novembre 2014. Si quoi, en octobre 2015, au Sénégal, 10 mois. Dans 10 mois, nous avons enregistré 10 chansons, ils ont déjà fini. Nous avons fait des mix, nous avons fait des clips. Nous avons lancé un clip promotionnel, une chanson promotionnelle qui fait du succès dans la ville. Donc, Brigade, c'était la même chose. Azali, déjà, a affaire à rendre ce salaire avant le son. Et ça, il m'a preuve dans moi déjà. Alors, il y a convaincre Bissot sur base et affaire à rendre. Vérengaï, vous avez déjà connaissé un salaire. Celui que vous croyez dans là, vous allez gagner. Moi, j'ai déjà fait ça. Ensemble avec vous, on peut travailler autre chose. C'est comme ça que Bissot au sein de Brigade. Toi retravailler dans le fond, toi porter bas son sous Jessica. Net bas Edenda, ils bas son au tout discuter na epo à porter son et culture sous. Dans l'album beaucoup t'as bas générique typique net bas faire avant les années, il y en a trois d'ailleurs dans son album. Donc, je pense que si j'ai bien répondu, je crois. Non, ça. Voilà. Alors, Jessica, à côté les années importantes pour depuis son temps maison, il y a événementiel puis il y a disque. Société et un commerce. Peut-être que vous comprenez l'été. Bisso, depuis que tu as la brigade, c'est qu'on est au Liambo. Depuis que tu as banné, on te lit à Liambo. Bisso, tu as l'air à l'autre. Au contraire, Bisso, c'est un gars qui est bon. Tu es un gars qui est dans les meilleures conditions à travailler parce qu'il y a la charge à l'orchestre. Il y a la vie de famille. Bisso, tu es un bunda. Tu es un travailler pour que à s'installer. Quelqu'un à Direct Télévision. Première question, nous avons posé à l'honorable Serge Kaimbe, directeur de cette production. Question du monsieur Zali, par rapport à ma propos, ma réponse, aux autres services, on a ma réponse aux questions que tout le monde s'y pose. C'est comme si ma solo, mon système, Nadia, la soeur qui fait Miwana et l'air à Banati. Cette production et les autres produits, les artistes de Oyo, c'est déjà un vrai. Oyo public et Mimi, cette production, vous avez une expérience, vous avez une expérience à découvrir les artistes de Oyo, public qui n'a pas invité. Rebecca Azali, mais par rapport à la brigade na JDT, honorable, tu peux expliquer ce que y a mécanique dans mon anou. Nenge, maman, mais dans la moumou, la biloque. Deuxième question, on a posé à l'artiste et musicien brigade, à son album, l'album, tout va bien. Mais la carte album, moi, si le gars a beaucoup plus de ans à faire à rendre. Tout le monde qui générique, après si va venir son beauté. Invité Zalagin Botega et à Flatterie,
ou bien à faire rendre à la rando na ba collègue naé animateur parce que tout monde a beau avoir qui ba leader tout mais ba leader ya ba animation et ba juna ba nono tout monde a beau qui ba monter est-ce que rando on veut ça y est na ba animateur mususu ya mikolo amen à vos idées quelqu'un moi, je pose d'abord la première question, deux questions pour regarder. Oui, mais ça simple. Moi, j'allais demander ceci. Parce que personne ici n'a pas eu qui les contenait à l'autre. À part que moi, bah, Mongo, Barando, Bidenda, on les a moi, entre parenthèses, par une partie. On a regardé tout le monde. Père, je n'ai pas la boutique, la musique de l'église à côté de moi. On a bien un rat. Oui, dans un père adoptif. Pour Otikuna. Et on l'a oublié, on l'a oublié. C'est comme j'avais demandé, si nous nous mettons les bisous, les bisous dans la carte, est-ce que la carte est là? Est-ce que la maison mère? Ou bien, au Sangissi, au domicile, ou bien encore, où est le bisous à 50 euros de bisous? Dans mon tour, on a mis avec Kiwana. Et maintenant, j'ai une question, et pas honorable. Honorable, c'est une question simple. Brigadier, vous êtes devant la presse. Les loups du Missa, tout va bien. Tu as dit que non, bah, pour commercialiser partout. Et on a une machine étrangère, tout partout. Contrat, tout le monde est à combien là. Et après, l'artiste qui vient de chanter ici, plus R10, et on a dit contrat à 5 ans, presque tout le monde a murmuré ici. Mais honorable, a évoqué sa réponse à lui, a éclaircé à lui, 5 ans pour moi, on a mis mais la musique, dans nous, les R qui est pour nous, on ça. Est-ce que, contrat, on a le bagage, on peut respecter mon bien, vis-à-vis on aura, pour le album et le bimawa, et que le PCD, au moins au 4 ans, parce que tu as dit Banda pour le temps, tu as dit Banda pour mon nom, c'était ça mes questions. Voilà, merci. Les gens ont conquérance pour loyal. Pas pour moi, mon souci, les alliés, il faut avoir un danger pour les gouvernements, sinon c'est pas ça. Nous avons encore dans mon nom, je suis pas dans le besoin, parce que ça, ma lame, pour les gouvernements, on est dans la salle, dans le sens. Et la concurrence est loyale. Vous ne savez pas, papi, moi, je ne sais pas qui est bien. Mais tout ça, vous comprenez. Pour la vie, ce que faire, si le temps est à l'an de Outaki, nous avons besoin d'un message générique en décembre. Décembre, nous avons besoin d'un souhait qui est générique, il faut estimer. Et quand nous avons dit que 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 nous affaire à rendre dans le sens que nous avons besoin de l'eau qu'on a eu, il faut bêta. Affaire à rendre dans le sens que nous avons la concurrence loyale. Nous avons bien. Nous avons dit que nous avons eu la chance de faire 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 la affaire à rendre, on a fait la 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 rendre. Deuxième question, style, outil et pas Kofi, ou era, style, une émission. Je suis chanceux de travailler avec des artistes, il y a beaucoup de gens, ma grande, Baza vraiment, et pas ma maille, Baza, Naïb, et même Roloba. Baza bato la vie n'a pas eu quel que soit ma bien à Bango, Naza Moutou, il faut la remercier dans mon ami. Les lots, ceux qui de l'un matin qui a vu un libosso pour la guinée poto, n'a pas eu pour la coiffure au midi. Les lots, ceux qui de l'un a sali peut-être dans l'animateur où on a allé pour saisir bato. À chaque année, on s'en partout le moyen d'abord, à tel prix, on va pas bien. Et ça, grâce à les rois de la forêt. Et Nazu, quand même, chance, il y a autant la dengue, coiffure au midi à travailler. Ndengue n'y a pas à rumba. Je suis un peu plus de temps pour que je me sois un peu plus de temps pour que je me sois un peu plus de temps pour que je me sois un peu plus de Troisième question. Mais là, si
Et si tu as des problèmes, tu as des soucis. Et si tu as des soucis, tu as des conseils, tu as des maîtres. Et si un problème entre mon vieux Serge Kaïm, le ressent toujours, tout à l'année, toujours, tout à l'année, 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 tout à Brigade la Vivarnais, le rôle à grand frère et petit frère. À la fois même comme un papa pour lui. C'est-à-dire, nous avons passé leur exemple, tout le monde est toujours à l'interne. Autant que JDT, ils ne peuvent pas être tous contents. On est artistes. Au salaire l'eau pour la JDT, tant que soit fan club à brigade la CDI. À moins d'être basé à négliger au profit de la JDT. N'est ici quoi, n'est tout ça, mais c'est un bon au moins tant que soit fan de la JDT, basé au CPLAT. En bon père, tu dois faire comprendre aux artistes que nous sommes dans la même maison. Vous avez un avec et que Nanga Nabino, tout ça, vous avez un pour que bon moment, vous avez un investissement familial. C'est l'argent de mes enfants. Je travaille dur pour le gagner. Et là, on a séparé la rapport, Bango va payer sa assurance que veut Tobunda et Bozonga. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Yeah.
Voilà, la conférence de presse. Nancy Bino Nyonso, vous êtes retrouvé dans la question. Peut-être que vous avez dans le palais partout sur l'album de Brigade Sarbati et puis sur Sec Production. Serge Kayembe, vous êtes producteur, il y a l'album de Brigade Sarbati. Donc, moi, je détaille, je suis Mike Tali, album voilà et puis production voilà. Bolandi en haut, je ne sais pas tout ni ma question, tout, ma ramenance Nancy et Bozui. J'aimerais saluer quelques personnes quand on est à la ca. Après, si mote mingi, na Feza Rajabu, la daronne de Manuela et Ryan. Feza Rajabu, y'a eu en haut, na bosanité, Viki Nualu. Mampouya, Viki Nualu Mampouya, yo ye binga na ose la rara ndongo ye bisaki ngai depuis Paris. D'abord sanité Rita Zangula japonaise. Moi la Londres, Rita Zangula japonaise. D'abord sanité sous-souté
Maman Emeline Nzemba, motema ya tous pepele ya mbetolo, maman Emeline Nzemba, motema tous pepele ya mbetolo, d'abord ça tout est devenu nga José Pofa qui s'y me prémé depuis Londres et puis Nzambe ya Norvège. Yo yebi ya yo zanga route Nzamba Norvège gradi, Nzamba Norvège. Wana route confirmé confirma tout le monde a yebi yango. D'abord ça tout est ma nga Joseph Makinda Wadri depuis Lyon. Ya yo yango wana et puis petit nanga Christophe Katene depuis Gabon et puis triple option la beauté la couleur et la lumière Maria Kauka petite sœur propre et puis mote mote mingi na masa nanga Tony Mudianga depuis Bruxelles ya yango wana donc bino tout babolinga émission les podiums na pesi bino mote na bosa interview nanga César Ngadi na musika tout ayo kufela eleki ezala ngoma kambo biso na sotoba leki nzela. Venanga Mario Mbongo, sans oublier aussi Gradi Moyo to cascadé na eka pour l'émission. La bosanité, écoute de tous les jours, de tous les temps. Ah, on a ngata kini Landry nouveau-né. Est-ce que football lugé boye ba nouveau-né? Landry nouveau-né. Ya oya ngola. Na bi to kutana mino mbala sima. Ya ba soda.